Le chocolat a l'honneur à ce concours national de pâtisserie. Le choix de cet aliment n'est pas fortuit. La Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial. Pour départager les 9 équipes en compétition, 3 épreuves. Le dessert, l'entremets et la pièce artistique. 5 heures d'épreuve de dextérité et de créativité, au bout desquelles les pâtissiers ont soumis leurs œuvres au jury. Dans le public, Jean-Louis Billon, ministre du Commerce et de l'Artisanat, qui a salué l'initiative de promotion du savoir-faire ivoirien et de valorisation de son cacao. Vainqueur de ce concours parrainé par la directrice générale du Conseil Café Cacao, Koulibaly Lasseni, il obtient également le prix spécial pièce artistique au chocolat. Je suis heureux d'avoir réussi à organiser ce concours test de présélection nationale parce que le but était de recomposer, de reconstituer une nouvelle équipe, une autre équipe, avec d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de travailler pour les échéances futures. Et le prochain challenge de la sélection nationale, le championnat d'Afrique de chocolat pâtisserie, prévu à Abidjan du 27 au 30 mai 2014.